Reigns the Council est une adaptation du jeu vidéo Reigns. C'est un jeu asymétrique de négociation et de prise de décision, dans lequel nous décidons du destin du royaume. Reigns prend place dans un univers médiéval, avec son lot de dragons, de mages, mais aussi d'extraterrestres et de vampires. L'un des joueurs incarne le roi, et les autres ses conseillers. Leur but est très différent. Alors que le roi tente de maintenir un certain équilibre, ses conseillers n'ont que leur objectif secret en tête. Un plateau représente le royaume. Il est composé de 4 lignes. L'église, l'armée, le peuple et les finances. Au début de la partie, tous les indicateurs sont neutres, mais ils vont pencher vers le positif ou le négatif au cours du jeu. La carte objectif secret de chaque conseiller représente toujours 2 ressources. Si la ressource est blanche, le conseiller doit l'amener vers le positif. Et si elle est rouge, il doit la mettre en négatif. Chaque tour de Reigns représente une séance du conseil. Dans l'ordre de son choix, chaque conseiller présente une proposition au roi. Il choisit une des cartes qu'il a en main, décrit la situation et la pose devant lui. Les cartes de proposition sont recto-verso. Le recto ne donne pas beaucoup d'informations, à part les ressources impactées. Le verso n'est connu que du joueur qui possède la carte. Il décrit précisément les conséquences de la proposition. Les symboles donnent des pistes sur la manière de présenter la requête au roi. Lorsque tous les conseillers ont terminé, c'est au roi de jouer. Il doit valider au minimum une proposition. Les cartes validées sont placées à droite du plateau et les rejetées à gauche. Les effets des cartes rejetées sont appliqués, puis ceux des cartes validées. Les cartes rejetées sont ensuite défaussées, et le roi place les cartes validées devant lui. Les conseillers piochent une carte, et une nouvelle séance peut commencer. Le règne d'un roi n'est pas éternel, et il peut même être très court. La partie s'arrête si l'un des marqueurs atteint l'une des extrémités de la piste. Dans ce cas, le roi est assassiné. Elle peut aussi prendre fin si le roi cumule 12 cartes propositions. Il abdique alors et part tranquillement à la retraite. Dans tous les cas, un décompte a lieu, mais il est un peu différent suivant la situation. Chaque conseiller dont la proposition a été acceptée au cours de la partie gagne un point. Et le roi gagne un point par carte validée, résolue. Si le roi est mort, les conseillers révèlent leur objectif secret et gagnent des points suivant la position des marqueurs. Enfin, le conseiller dont la proposition a amené le roi vers sa mort tragique doit raconter la fin de son souverain. Si son histoire plaît, il gagne un point supplémentaire. Le roi désigne un nouveau roi et un nouveau règne commence. La partie se termine lorsque chaque joueur a été roi une fois. Celui qui a le plus de points gagne.